Il n'y coupe pas, aujourd'hui on se retrouve devant la citadelle. Allez, on y va. Commençons le début de la fin du jeu. D'ailleurs, il y avait aussi un talisman qu'on avait pas pris la dernière fois, je l'ai pris avant de démarrer la vidéo, c'était le cœur de Cerbère qui nous protège du feu. Donc déjà, ça nous a donné 1000 cœurs en plus, premièrement. Mais aussi, ça nous rend invulnérables au feu. Donc en supposant que Ardyn, contre lui, on aura un combat de feu, bah voilà. Un dieu beaucoup moins bienveillant envers les êtres humains que notre cher Shiva. Remarquez, il vous a réservé un accueil plutôt chaleureux. Bon, je vous laisse briser la glace. Je vous attends en haut. Bon bah voilà, c'est ça qui servait le cœur de Cerbère, j'imagine. Ifrit. Comme ça, on va pouvoir être protégé du feu avec notre 6. Faites attention. Il a pas l'air commode celui-là. Bah déjà, il est niveau combien? Ah, mais c'est ce qu'on a vu à la première vidéo. C'est ce qu'on a vu à la première vidéo, ok. C'était Ifrit alors. Hop, par ici. Dépêche-toi, il va recommencer. Ah d'accord, donc je suis obligé d'être en danger. Vraiment, c'est ce qu'on a vu dans la première vidéo. C'est maintenant. Moi, j'aurais cru que c'était un autre méchant qui se contrôlait le feu, mais non. Et on sait pas il a combien de cœurs. D'accord. Bah ouais, toi tu me sers à rien, hein, que tu le soignes. Putain, je l'aime de pas l'avoir su avant là, putain. Capteur laser. Allez, on va tenter. Hein. 217, ouais. Ah bah oui, merde. Là, costaud. Impressionné. Celui-là, on l'aura pas en deux coups de pied. Wow. Église, j'ai trouvé un point faible. Ouais, encore que t'as utilisé la glace, hein, parce que toi, on sait jamais. On va pas tarder à nous lâcher. Je mange ça. Seule erreur. Pronto. Une rafale de balles. J'ai l'impression quand même on lui met beaucoup trop de dégâts pour le dieu qu'il est, quoi. Ah bah on peut invoquer. Bon bah allez hein. Moi, tu me dis d'invoquer, je me fais plaisir. C'est nouveau, ça. C'est nouveau. C'est qui? Putain de merde. Waouh. D'accord, on l'avait vu là, dans une cinématique de la dernière vidéo. Je sais plus c'est quoi son nom. C'est sûr, on a déjà entendu parler de lui, mais je sais plus c'est quoi son nom. Épée Ultima. Comme on est dans le film de mer. C'était exprès qu'il esquive tout. C'était exprès. Waouh. Oh, le coup de poignard. Oh, il a déboîté Ifrit. Il l'a fumé. Rigolo de dire ça. Hein. Et on lui a coupé la tête. Pratiquement. Même ça, ça suffit pas. Quoi? Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va riposter de plus belle. On va calmer ses attaques. Ah bah,
Putain, même ça, ça servit à rien. Wesh. Oh, je suis mort. Ah non, ok, ça fait exprès. Ok, ça scénarisait le combat. C'est scénarisé, mais ça empêche pas qu'on peut quand même lui mettre des dégâts. J'ai trouvé un parfait. Sans deck. C'est bien, il va spammer la classe au moins. Non, là la classe elle y a rien, c'est dommage. Oui. Oula, j'ai été trop loin là. Mais qu'est-ce qu'il branle là-bas, lui? J'ai trop bien pas faible. Oh putain, lui. Oh bah... Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le temps? Allez, la dernière méga glace, on a. Ah bah ça y est, on l'a niqué. J'imagine. Oui, bon bah ça y est, il est mort. Dieu du feu, ta flamme aurait dû s'éteindre. Putain, je suis bad. Gentiana, elle va le finir. Je sens qu'elle nous a dit qu'elle était en couple avec Ifrit, ça serait marrant pour lui foutre la haine. Poussière de diamant. Pour lui foutre la haine, elle embrasse Noctis. Ah, ça aurait été très drôle. Et bah voilà. Non, elle lui fait un petit bisou. Voilà, un petit bisou et elle le gèle. Et il est mort. Elle a niqué son mec. Et ben, faites attention à vos meufs. Repose en paix. Ah mais il est vraiment mort, c'est même pas... Ah, peut-être que... Non, il est mort.
Noctis. Oui. Y a quoi ? Sache que nous resterons toujours à tes côtés. Merci. Ne t'inquiète pas. Ah mais c'est notre maison, putain. Oui, je suis très loin à la détente, je sais. Allez vers la salle du trône. Putain, c'est notre maison. On est ok. Ah, je savais pas que ça s'appelait Insomnia. Je pensais que c'était Ténébrae, notre maison. Mais non. Ouah, j'ai rien suivi du jeu et pourtant j'ai spammé les vidéos. Hein. Ah, c'est horrible. Bref, allez, démarrons le combat final. Parce que là, franchement, si c'est pas le combat final, ça y est, le jeu va te faire foutre. Franchement, faut aller se faire foutre. En plus, ce qui est cool, c'est qu'on a pas utilisé énormément de trucs. Plus divertissant. Tu vas bientôt c'est le combat avoir final, le ça y est. Attends-moi bien sagement. Tu fanfaronnes parce que vous avez brisé mon petit mur. Oui. Malheureusement, vous allez aussi devoir passer l'ancien. Celui l'ancien que constitue les âmes de tes prédécesseurs. Papa. J'aime voir ce que je déteste se déchirer. Oh non, mais c'est sérieux là. Je vais bien m'amuser. Tu ne passeras pas. Le démon. Ils avaient vraiment pas d'idée de nom. C'est terrible. Soit c'est le démon. Pourquoi ? Attention ! C'est très emmerdant parce que j'étais en train de dire avant qu'on a ça. Ouah, c'est trop rigolo, MDR, on n'a pas utilisé toutes nos potions contre Ifrit. Waouh, je suis trop chaud. Je sais qu'on va tout utiliser maintenant. On va tout perdre. Je le sens. Il faut le vaincre. N'oubliez pas. Bon bah allez, hein. Ah, ça lui fait mal, hein. Désolé, les... Ah, ouh. Eh, vous pensez que c'est une utilité safe, ça se croit. Ouais, non. Rampeto. Attends, mais il est niveau combien? 48. Non, on est niveau 54, 52, 51. Ça devrait passer. C'est bon. Ah si, c'est bon. J'ai trouvé un point faible. J'avais bien qu'il pouvait faire ça. Prends-moi une balle de balle, ça fait mal. Waouh, il a mis des dégâts dans le dos. Voilà, ça peut permettre de lui faire plus de dégâts avec les attaques. Non, non, vas-y, on va laisser... Voilà. Oh. Il a un bouclier, le bâtard. Ah, il parle. Oh, donc on va...
Appuyez sur carré pour vous mettre en garde et bloquer les attaques. Veuillez cependant ne pas dépenser toute la jauge de défense en bleu en bas à droite où vous ne pourrez plus vous mettre en garde ni faire des esquives pendant quelques instants. Vous pouvez ainsi effectuer une garde précise en bloquant... Le taux de dégâts des attaques de Gladiolus augmente légèrement quand il subit lui-même des dégâts et grandement quand il bloque les attaques. C'est très bon. La jauge de rage... Wesh. Ah, je croyais que je pouvais rentrer. Ouais bon, là j'avoue que j'ai merdé, autant pour moi. Désolé. Ils ont vraiment de la volonté les autres. Hein. Allez, je suis là. Oh. On l'a niqué. Ça y est, il est mort là. Ah bah c'est... Merde. Waouh, 20 points de compétence. Trop classe. Comment ai-je pu être forcé à t'attaquer? Ah, il vient de s'en rappeler de qui on est. Il vient de se rappeler de qui on est. Par contre, Noctis, il est mort. Pour l'instant, il est KO, quoi. Bon, moi, il gagne son XP, c'est mieux que rien. Putain, je... Sincèrement, à mes yeux, si on nous a donné de l'XP, c'est qu'on va pouvoir dormir avant de démarrer le combat final. Clairement. Ah, désolé, ton bouclier a juste besoin de reprendre un petit peu son souffle. On a encore un peu de chemin. Bon, on y va. Ouais, on va pouvoir dormir. Au plus, moins, c'est cool, on n'avait jamais vu... Il a dû tout allumer pour l'occasion. Oui. Il attend ma venue depuis longtemps. Vous croyez que les ascenseurs marchent? Ouais. On dirait bien. Décidément. Il a déroulé le tapis rouge. Tant mieux. J'avais pas envie de monter à pied. Ouais, et c'est là que vous voyez comme un gros fils de pute, en fait, il nous il nous bloque. Alors, attends, Non... Ah, ça augmente les PM. Ouais... Ah bah attends, Halbarde de l'acharné. Non. C'est nul. Ah d'accord. Ah c'est nul de nous pas nous l'avoir mis au bout. Ah. Putain. Oh regardez, il y a même le petit logo sorti, c'est trop mignon. Surtout dans un château, c'est complètement con, mais vas-y. J'ai très peur de ce qu'on va avoir, là. Ah bah Prompto, toi aussi, tu regagnes pas de vie. Ah si, mais t'en regagnes très prochain lentement. Prochain arrêt, la salle du trône. Ouais, Ardyn doit nous y attendre. On va lui apprendre à squatter. Ce soir, on va tout reprendre. Ouais. On va régler nos comptes. Heureusement que c'est pas en France, hein, parce que là, il aurait pu appeler la police pour nous dégager, hein, vu que c'est un squatter. Ah, ça y est, on y est. La fin du jeu. L'histoire principale. Il y a les DLC à faire. C'est quoi cette merde? Aussi vite. Le dragon. Classe. Du coup, c'est pas maintenant le combat final, j'imagine. On se croirait vraiment dans Kingdom Hearts, c'est terrible. Ah, attends, 2 secondes, magie. Rien à branler, je le fais. On est rien à foutre. Non, pas assez.
T'entends, mais non. Ouais, allez. Ça nous en fait 6, c'est mieux que rien. Hein. Est-ce qu'il a essayé de l'empoisonner ou quoi ? Oh non ! On dirait bien qu'il s'est fait empoisonner ! Ah, niveau 50. Ah. Pardon, Prompto. C'est... Qu'est-ce qu'elle fait ? Ignis ! J'ai trouvé un... Prompto va canner les mecs, hein. Sois un peu plus prudent. Quelle chance. Attendez, par contre, Gladio, ça y est, je vais changer un truc avec lui parce que ça me brise les couilles. Vraiment, ce pouvoir-là, il est bien, hein, mais il est casse-couille. Mieux vaut reprendre Tourbillon. Au moins, voilà, on peut le faire maintenant. C'est mieux. Ah. Vous voyez, c'est mieux. Bah ouais, parce que les autres ils font des dégâts mais pas de fou quoi. Alors que lui, il fait un beau carnage quand même, Gladio. Il fait un joli carnage. Tu vas où ? Oh mon Dieu. C'est bon. En fait, je crois vraiment que le combat final, on va devoir le faire dans la prochaine vidéo. Hein. J'y crois sincèrement à ça. Hein. Parce que là, je sais qu'on va galérer contre Harding, donc honnêtement... Oh. Oh, il a plusieurs armes, c'est marrant. Je vais vous la trouver, moi. Oh. Il est dans... On est dans Metal Gear. Meurs, connasse. Oh merde. Ah bah on a réussi. Tu m'as appris l'outil. D'accord, on va en battre la troisième et après ça va être l'autre là. Je te dois tout. On va en battre la troisième et après ça sera fini. Oh. Oh, on en gagne plein de points de compétences, c'est intéressant ça. Poursuite en route. Roi élu par le cristal. Donc on va en battre la troisième et voilà. Et j'imagine qu'après le troisième, on va pouvoir s'arrêter là. T'as pris un gros risque. Je pouvais pas risquer de perdre mon meilleur ami. Je vais bien. On peut continuer. Putain, mais... Le dernier, j'imagine. C'était sur le mystique. Ah mais du coup si on est avec Ignis, est-ce qu'on n'aura pas, on sera pas aveugle. Ah ça serait cool de voir ça en vrai. Hein.
Il a combien de PV lui? Il est niveau 53 déjà. Ok. Ah oui, là on est dans la merde. Dans une très très grosse merde. Merde, Prompto est mort. Merci. Faudrait boucler ce combat. En avant. Il est devenu encore plus puissant que tout à l'heure. Oh mon dieu, je vois rien. Non merde, Prompto il va canner. Voilà, reste en vie, connard. Gladio est sujet à des hallucinations. Quoi? Mais quoi tu parles? Merde. Gladio. Putain, c'est... Et merde, je suis mort. J'ai tellement envie de mettre, l'éclair encore, mais non. Je peux pas voir plus, sinon ça va tous les électrocuter et plus ou moins les canner. Ah non, il est pas aveugle. Ah bah oui. D'accord. Ah, l'Octis doit continuer, je ne laisserai pas être là. Ça y est, c'est fini. Waouh. Oh, 30 points de compétence. Mon dieu, c'est même... Ouais... Je m'en charge. Il a l'air enragé. Attends, déconne, déconne. Ah merde. Je suis confus. Ah. Bah ouais, allez, Prompto. Fils de pute.
Ah clairement ouais, après cette vidéo, après ça on va s'arrêter là hein, pour l'instant. Ouais bon bah là merde. Les plombs. Si t'as besoin d'aide. Dis-le. Voilà. Gladio. Span. Celui-là. Merci. Gladio. Allez, nique-le. Les ennemis dans l'eau. Tu sais, au bout de 10 ans, tu peux. Ah bah oui. Ah merde. Qu'est-ce que tu sais faire? Ah, pronto. Merci. Allons-y. Putain, même avec le combo photo, mais on n'a pas réussi à être fumé. Ah ouais, non, là, on va vraiment galérer contre lui. Contre Hardy. Ah, bah ça y est, il est mort. J'espère. Je te laisserai pas faire. 30 points d'expérience. Pronto, 30 encore. Gâchette facile. Je vais tout donner. Et 30 encore. Oh putain, c'est stylé de fou. En vrai, ce qui me ferait rire, c'est genre imaginer ces sales combats finales. Ouh, 100 points de compétence. Ah ouais. Imaginez ces sales combats finales et genre là, on va se taper la cinématique de fin. Je suis pas venu tout seul. Genre Hardin, il était dans ces trois trucs là. Bravo. Yay. Vraiment, imaginez Hardin, il était dans ces trois trucs là. Non, ce serait énorme. Cristal. L'heure est venue d'accomplir ta destinée. Non, c'était fait exprès. Chasse les ténèbres de ce monde. Je peux avoir une chambre avant. Libère le frère Hardin de sa malédiction. Oh ! Les gars, vous avez tant fait pour moi. Et maintenant, il n'y a plus qu'à éliminer Hardin. Donnez-moi une chambre. Mais donnez-moi une putain de chambre! Vraiment, il n'y a pas d'endroit où je peux dormir, là? Quand j'étais petit, je détestais cette pièce. Ah bon? Pourquoi? Quand on arrivait ici, le visage de mon père devenait toujours si sombre. Il avait de la peine pour toi. Il connaissait le destin qui t'attendait. Bah vas-y, on y va. Hein. Mais dans le doute... Ah oui, quand même, 375, hein. Eh bah bordel. Mmh.
Soutien, non. Ah, récupération, vas-y. Bon, c'est un peu con, hein, l'endurance, on en a plus trop besoin maintenant, mais vas-y. Trophée obtenu, très compétent. A appris 50 compétences. Putain de sa mère. Permet d'augmenter l'attaque d'un allié en danger au moment de le relever. Ouais, bah allez, hein. Permet de restaurer les PV d'un allié en danger au moment de le relever. Ouais. Permet d'augmenter les chances de coup critique d'un allié au moment de le relever. Je comprends pas trop hein, ce que ça signifie, mais vas-y. De regagner un peu de PV quand ils sont bas. Ah bah vas-y. Là, toi, de regagner un peu de PV à Ignis, oui. Moi, ça m'arrange, hein, comme ça, moi, ça fera moins de personnes à soigner. Je regrette. Bon, allez, Non. Permet d'augmenter la jauge de commande à chaque fois que Noctis réussit une attaque. Je sais pas ce que ça signifie, mais vas-y. Allez. Allez, on y est presque. Alors, tu es prêt, Noct? Bah non, moi je veux dormir, mais y a pas d'endroit. Juste une dernière chose. Prompto. Tu peux me montrer. Je veux dormir, mais on nous met pas de putain de lit. Comment je fais pour gagner mon XP et Il ne m'en faut qu'une. Pour l'emporter avec moi. Ah. D'accord. Je comprends. Tiens. Prends celle que tu préfères. Évidemment, c'est à nous de choisir, j'imagine. C'était sûr. Ah là là. Tant dans le doute, on peut pas. Non. Non, mais t'imagines un peu le nombre de villes et de magasins qu'on a visités. Où que l'on aille, on ne s'ennuyait jamais. Un cliché, on se barre, ça pourrait être cool. Wesh. J'aimerais avoir une photo de chaque endroit. Enfin, je sais pas pourquoi j'avais l'impression que... Un vrai photographe sélectionne ses clichés. Moi, je choisirais une photo où on est en route pour KM. Celle-là, elle a l'air bien. Cliché. Donc, ce sera cette photo. Tu confirmes? Oui. Tant pis pour le reste, on s'en branle. Ouais. Il y a tout le monde avec nous, donc bon. Oh non! Ah! Eh, hey, c'est dégueulasse, c'est des cadavres! Tu n'as décidément pas le vent en poupe. Le trône, tu aimerais t'y asseoir, n'est-ce pas? Malheureusement, je crains qu'il soit occupé. Tu n'as rien à faire sur ce trône. C'est la place du roi. Tu as pris ton temps, Noctis. Ouais, j'avoue. Je commençais à me dire que tu ne viendrais jamais. Ce que je rêve de savoir, c'est est-ce qu'il dit ça à des speedrunners? Imagine quelqu'un fait un speedrun. Le mec, il fait le record du monde. Il arrive à arriver à la fin en moins d'une heure. Tu ne sais même pas comment il a fait, mais il arrive en moins d'une heure. Il lui sort ça. Littéralement tranquille. Ouais. Vraiment, imagine, ça doit être très marrant. Il est toujours sur le trône? Ouais. Je vais vite l'en faire descendre. C'est ma place et je vais la reprendre. Ah. Qu'est-ce que t'as fait? Je me suis débarrassé des éléments importuns afin que nous soyons entre rois. Je t'attends, Noctis. Donc il nous emmène vraiment à une salle là. Vous savez, j'ai commencé à croire que c'était dans cette vidéo là qu'on va devoir le tuer, mais non. On peut se laisser ça pour la prochaine fois. De toute façon, c'était prévu. Dans tous les cas, le combat il aurait démarré, je vous jure que j'aurais fait pause. Voilà, comme ça. Et j'aurais coupé la vidéo. Point barre. Mais bon, le jeu a été sympa. Il nous laisse encore une dernière chance de se préparer, on va dire, même si on est déjà prêt.
Mais c'est très frustrant, honnêtement, de pas pouvoir récupérer l'XP et tout. C'est très rageant. En tout cas, voilà. La prochaine vidéo sera la toute dernière sur l'histoire principale. Et on va dire, entre guillemets, du let's play, hein, même si non, il y aura les DLC des trois, de ces trois-là à faire. Du coup, eh bien, voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et surtout à vous abonner sur ce c'était les Miku ou pas. Et puis, on peut pas retourner en arrière, putain de merde. Bon bah, au revoir tout le monde.